90 000 euros, les gars. C'est le top. Ouais. Moi, jamais j'aurais pensé que des pièces pouvaient valoir autant. Monsieur, pardon. Pour suivre, un galet de chocolat de Bolivie agrémenté de sa noix, de glace d'asperge, au basilic de Saint-Rémy de Provence. Mais il est où ? Ici, monsieur. Ah, ça, c'est le galet de chocolat ? Oui, monsieur. Ah. C'est plutôt un gravillon, non ? Oui, ne vous fiez pas à sa taille, monsieur. Vous pourriez rencontrer des difficultés à terminer. En vous souhaitant une bonne dégustation, messieurs. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Oui ? On va prendre une autre bouteille de vin. Dites-moi. Celle-là. Château La Flambe. Excellent choix, monsieur. Excusez-moi, pourquoi vous ne mettez pas le prix ? Il y est, monsieur. Ici ? Ah, mais moi, je croyais que c'était l'année, ça. Ah non. L'année, c'est 1989, monsieur. Vous le prenez quand même ? Oui, ce soir, on compte pas. Très bien. Dis donc, c'est la première fois que je bois un vin dont le prix est plus élevé que le millésime. T'as raison. C'est vrai, il faut l'apprécier quand tu le bois et quand tu le pisses. Au fait, merci pour le canapé. Bah, de rien, hein. De toute façon, il est usé, puis Julia le trouvait moche. C'est vrai que chez toi, il dénote pas. Poupée l'adore. Je vois ça. Oh, gentil, Poupie, oh. Oh, Poupie. Gentil, hein. Il a eu le Covid, Poupie, ou... Il grogne, il mord pas quand même. Poupie ? Non, allez, oh, je ferai pas de mal à une mouche. Il veut jouer, c'est tout. Il faut peut-être lui faire encore le troisième vaccin. Hein. Poupie, hein, oh. C'est vrai qu'il est joueur. Poupie, c'est quoi ce billet ? C'est moi, pour les croquettes. Et celles qui sont dans les vitrines, là ? Ah là, monsieur, c'est autre chose. C'est du très haut de gamme. Vous savez, ce sont des pièces très rares. Ça, les pièces rares, on connaît, hein, les gars ? Oui, ça. Combien coûte celle avec le fond bleu, là ? Elle est hors de prix. Je ne pense pas qu'elle soit pour vous. Non, non, elle n'est pas pour nous. Combien ? 70 000 euros, monsieur. Ah ouais ? Eh ben, tu m'en mets deux. Une en bleu et une en gris. Très bien, monsieur. T'es fou ! Il m'a pris pour un clochard ou quoi ? Ben, moi aussi, je vais vous en prendre deux. Faites les mêmes pour gaucher. Tu es droitier, toi, non ? Non, pour les montres, je suis gaucher. Non, mais les mecs, vous partez en vrille. Faut garder les pieds sur terre un petit peu, là. Et puis ce matin, vous allez dépenser plus de 150 000 euros. 150 000 euros, c'est rien. Ouais. C'est trois pièces. Non, mais je vous dis qu'il faut pas se faire remarquer. L'essentiel, c'est de rester discret. Voilà, c'est, j'ai trouvé le mot. Discret. Oh, putain. Oh, c'est pas vrai. T'es malade ! On avait une vie discrète ! Ah oui, c'est pour ça que je l'ai prise noire, c'est moins voyant. Putain, mais une Ferrari, c'est comme une mouche dans un verre de lait, on voit que ça ! Mais c'est pas une Ferrari, c'est une Lamborghini ! Mais c'est pareil !